Salut à tous et à toutes, bien content de vous retrouver pour un nouveau tuto de Papy Corse s'éclate sur Minecraft. Il est 18h52, nous sommes le jeudi 21 janvier 2021. Donc là on va voir un tuto assez intéressant, c'est pour qu'un villageois travaille pour nous et on voudrait qu'il soit bibliothécaire. Donc c'est assez intéressant parce qu'il nous propose des bonnes choses, des livres pour booster donc nos armures, nos armes, nos outils. Donc c'est hyper intéressant quand même. On peut les acheter donc pour des émeraudes, donc je vais vous montrer tout ça. Déjà, ce qu'il nous faut, c'est un villageois qui n'a pas de métier. Hein. Il nous faut un villageois qui n'a pas de métier. Donc j'ai réussi à en avoir un. Il est rentré par inadvertance chez moi parce que normalement mes villageois ils sont à l'extérieur de chez moi. Il y en a un qui est rentré. J'ai mis un petit portillon. Avec les portillons, ils ne peuvent pas ouvrir les portillons. S'il est fermé, il ne peut pas rentrer. Mais il est rentré quand je l'ai laissé ouvert pour sortir. Et voilà, c'est rapide. Hein. Les villageois sont rapides et assez rusés quand même. Hein. Voilà, donc il est rentré là, je l'ai suivi, il a été dans une chambre, et comme j'avais un portillon, je l'ai enfermé. Voilà, il est là, il doit dormir parce qu'il fait nuit. Voilà, il est là. Donc voilà ce que ressemble un villageois qui n'a pas de travail. Hein. Voilà, il est juste chauve, il est vêtu de marron. Voilà, moi j'appelle ça un villageois vierge, c'est qu'il n'a pas de travail, un chômeur. Donc je le laisse enfermé, de toute façon il dort, hein. Il n'y a pas de problème. Et je veux qu'il soit bibliothécaire. Donc pour qu'il soit bibliothécaire, il nous faut bien sûr un outil de travail. Et l'outil de travail pour bibliothécaire, c'est le pupitre. Le pupitre. Donc pour le fabriquer, allez voir le tuto de Papy Corse. Vous marquez pupitre et vous verrez comment on le fabrique, comment on le débloque. Voilà. Donc je dois l'avoir ici. Oui, je l'ai là puisque j'ai fait un tuto justement du pupitre juste avant. Voilà. Donc j'ai mon pupitre. Ok, super. Donc, il va travailler pour moi, lui. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Parce que là, il va dormir. Si je le réveille, ça va être compliqué. Là, ah bah, j'ai du monde. Ah bah, j'ai un autre bibliothécaire, là. Tiens, bah, ça m'en fera un autre. Tiens, hop. Voilà, bon, bah, il dort. Je vais faire passer la nuit. Hop, voilà, je dors. Donc, quand on dort, on fait un point de réapparition. C'est-à-dire que si je meurs n'importe où, mon lieu de réapparition, ça sera ici. Puisque c'est la dernière fois où j'ai dormi qui nous donne le lieu de réapparition. Voilà, voilà, ça y est, j'arrive, je vais te faire gratter toi un petit peu, je meurs. Mais bon, faut pas qu'il sorte, parce que si je rentre et il sort, là ça va être embêtant. Ce serait bien que tu ailles voir à la fenêtre s'il n'y a pas des oiseaux qui chantent, là ça serait sympa. Hein? Non, tu veux pas? Ouais, ok, d'accord. Non, là tu me retardes là, mec. Bon, allez, je vais rentrer. Voilà, je vais mettre le pupitre, j'espère qu'il va revenir. Vas-y, t'as un métier là. C'est qu'il est. Il est barré. Purée, t'es où? T'es en face, non? Non. C'est qu'il est parti. Je t'ai mis un métier là, tu viens et tu. Non. Il est parti. J'ai paumé mon villageois. Super, hein? Oh purée. Ça y est, ça me fait penser à Ark. Tu veux faire quelque chose? C'est qu'il est. C'est pour lui. Il est parti où? Il a fait vite, hein. Là, il peut pas rentrer. Là, il peut pas rentrer. Là, il pouvait rentrer. Mais il est où, c'ta... Il a scapé. Ah, oh, j'y crois pas. Il est parti. Je vous dis, hein, c'est des rapides, des rusés. Hein. Voilà. Attends, il est où, hein? Il va pas se faire un autre métier. Ah, oh, il va être composteur, je suis sûr. S'il a été là-bas, je suis marron. Non? Ça, c'est mon boucher. Ouais, c'est mon boucher. Bah, il est où? Je comprends pas. Comme ça, je lui fais visiter la maison en même temps. Hein. Bon, c'est hallucinant, ça. Aïe, 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 c'est pas possible. Ouais, j'aurais dû le pousser et puis dormir à sa place. Je suis pas sûr, il y a cacahuètes là encore. Ok, bon bah. Super. Oh, il a pas pu aller si vite que ça quand même. Attends, je le retrouve plus. Ah, il est là.
Ça y est. T'es revenu, hein? Mais t'étais où? T'étais au Merhat, quoi. Franchement, je t'ai cherché partout. Voilà, donc il a été au pupitre. Hop. Et donc, il s'est fait bibliothécaire. Donc, normalement, il est novice. On va voir. Il est novice. OK? Donc, ce qu'il me propose, c'est 24 papiers. Je peux lui vendre 24 papiers. Il me donne une émeraude. Là, je lui donne 9 émeraudes. Il me vend une bibliothèque. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Ça nous évite de faire des bibliothèques, les acheter cash. Bon. Mais ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Donc, comment je peux changer ça? Comment je peux changer ça? Ben, on va détruire le pupitre. On détruit le pupitre. On récupère le pupitre. Vous voyez, dans ma barre d'espace, je l'ai récupéré. Hein, y a pas de problème. Et il est retourné au chômage. Voilà. Bah oui, t'as plus de boulot. Ah ouais. Non, sérieux. T'es au chômage. OK. Donc, tu me proposes quelque chose d'intéressant et je te laisse bibliothécaire. Voilà. Je remets la bibliothèque et hop! Il est bibliothécaire. Je regarde ce qu'il me propose. Charge rapide. Charge rapide, c'est surtout pour les arbalètes. Ça ne m'intéresse pas. Là, il peut m'acheter 24 papiers pour une émeraude. Et là, il me propose un livre enchanté. La charge rapide, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais faire ça juste à temps qu'il me propose quelque chose d'intéressant. De très intéressant. Comme le raccommodage, la fortune et l'infinité. Voilà, ça, c'est, ils sont top. Alors là, voilà, ça y est. On va voir ce qu'il me propose parce que ça change à chaque fois. Là, hop, c'est pareil qu'au début. Donc, ça ne m'intéresse pas. J'enlève le pupitre. Je le casse. Je les récupère. Il est au chômage. Je remets le pupitre. Hop. Voilà, ça y est, va gratter. Allez, hop. Voilà. Qu'est-ce que tu me proposes? Chance de la mer. Chance de la mer, c'est pas mal pour la pêche. Ouais, franchement, c'est pas mal. Chance de la mer, c'est pas mal. Hein, c'est pour avoir pour pêcher des meilleurs trucs. Et ça, on le met sur la canne à pêche pour booster sa canne à pêche. Hein, donc, c'est pas trop mal. Voilà. Donc, on va continuer hein, pour vous montrer qu'on peut avoir autre chose. Hein, voilà. Hop. Allez, on va te remettre le pupitre. C'est pas mal, mais tu peux mieux faire. Tu peux mieux me donner des choses. Qu'est-ce que tu me proposes là? Non, ça, j'en veux pas, je t'ai dit. D'accord? Fais attention à toi. Hein. Voilà. Donc, faites attention de ne pas lui donner des coups de hache hein, quand même. Parce que c'est assez fragile, les villageois, et on peut les tuer, hein, sans faire attention. Là, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut être patient, hein, n'hésitez pas à refaire, voilà, vous pouvez le faire 20, 30 ou 40 fois, comme vous pouvez le faire du premier coup, hein, voilà, si, oh, tiens, ça m'intéresse, je le garde, voilà. Hop, voilà, qu'est-ce que tu me proposes, là? Non, ça ne m'intéresse pas, je t'ai dit ça. Allez, hop, on récupère. Chance de la mer, c'était pas mal. Hein. Ouais. J'aurais peut-être pu le garder, mais c'est surtout pour vous montrer. Bon, sinon, vous le mettez à côté, hein, peu importe. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu m'offres, là? Puissance 5. Alors, puissance 5, je le prends. Puissance 5, ça c'est génial. C'est pour l'arc. Hein. Moi, j'ai un arc, vous voyez. Hop. Et il est en puissance 4. Voilà. Puissance 4. Donc, ça fait déjà très, très bobo. Et puissance 5, ça fera encore plus bobo. Hein. Voilà. Bah, je le garde. Alors... Pour éviter qu'il change hein, de métier, par exemple, si je lui casse son pupitre sans faire attention pour X raisons, j'en sais rien, il va perdre son métier. Moi, je veux qu'il garde justement ce métier avec ce qu'il me propose maintenant, c'est-à-dire puissance 5. Non, c'est là qu'il faut que j'aille, voilà. Puissance 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui acheter une bibliothèque. Même deux ou trois, même plusieurs. Voilà, comme ça, je vais vous montrer comment... Alors, tu restes là, par contre, hein. Tu ne bouges pas, hein. Voilà. Donc une bibliothèque, je vais y acheter une bibliothèque parce que ça c'est intéressant. 9 émeraudes, 9 émeraudes, je dois avoir des émeraudes là, voilà. Allez, je vais en prendre pas mal, comme ça. Comme vous avez pu voir, il est novice, hein. Il commence novice. Donc on va lui donner des compétences, et pour lui donner des compétences, il va falloir commercer avec lui, soit lui acheter ou soit lui vendre des choses. Alors, moi, ça m'intéresse, ton puissance 5, il m'intéresse, 48, quand même, hein, 48, je t'en prends un, hop, je prends une bibliothèque, et vous voyez en haut, vous voyez le petit truc blanc, là, ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait toute la ligne comme ça, ça voudra dire qu'il va passer de novice, il va passer à apprenti, voilà, donc on y va, je lui prends une bibliothèque, et hop, c'est en vert, voilà. Et là, je vais lui acheter des bibliothèques. Donc, je change. Je change. Voilà, hop. Pour lui acheter le livre, il me fallait un livre. Il me fallait un livre. Ah ouais, donc j'en ai pas de livre. Il faut que j'aille chercher un livre parce que là, il me demande 48 émeraudes plus un livre pour avoir le livre d'enchantement. Là, je lui ai acheté une bibliothèque. Donc, alors attends, mon bézo, je vais chercher. J'ai oublié. Voilà. Tu restes là. Voilà.
Je vais chercher un livre pour y acheter la puissance 5. Livre. Hop, non, c'est pas là. Là, c'était un livre à plumes. Hein. C'est un livre simple. Hein. Je sais pas où c'est que je les ai mis. C'est pas là. Ils sont où, mes bouquins? Bah, ils sont là, normalement. Bah oui, ils sont là. Voilà. Hop. Allez, on y va. On va lui acheter un livre. Il va être content. Voilà. Allez, on commerce. Donc voilà, j'ai 48... j'ai plus de 48 émeraudes. J'ai le livre. Voilà. Et voilà, là, je vais lui acheter. Vous voyez? La petite barre là-haut, je lui achète le livre. Hop là. Et voilà, j'ai pris le livre. Maintenant, je vais lui acheter des bibliothèques. Une. Hop là, une autre. Hop. Vous voyez, regardez la barre en haut. Hop. Hop. Voilà. Je peux plus, j'ai plus d'émeraudes. Je vais en rechercher des émeraudes. C'est juste pour vous faire voir comment on lui fait augmenter ses compétences. J'espère que je vais avoir assez quand même d'émeraudes. Normalement, oui. J'en ai encore 64 là. Et là, j'en ai 6 x 9. 54. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Je dépense mes émeraudes. Hein. Voilà. C'est juste pour vous faire voir exactement. Voilà, monsieur. Hop. Regardez la petite barre là-haut. Hein. Voilà, j'en ai pris 2. J'en prends 3, encore une. Allez, c'est bon. Normalement, il a augmenté de compétences. Ah, je savais pas. Tiens, les bibliothèques, ils peuvent se... D'accord. On peut empiler les bibliothèques, je ne savais pas. Hop, comme ça, vous savez. Voilà, donc on va voir ce qu'il va me proposer. Et là, il va passer apprenti. Voilà, il a des petites bulles roses. Voilà, des petites bulles roses. Il est content. Voilà, donc là, il propose bibliothèque ou livre enchanté. Il nous fait voir ce qu'il peut nous proposer. Et là, hop, je vais le voir. Il est passé apprenti, vous voyez là-haut, apprenti. Et là, il me propose pour 15 émeraudes plus un livre, un autre livre enchanté, l'affilage. Voilà. Et je peux y acheter des lanternes pour une émeraude. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Les lanternes, on va lui faire augmenter encore d'un niveau parce qu'il va me falloir des lanternes. Je vais pouvoir y en acheter 36. Alors, t'es où? T'es là. Allez. Donne-moi, hop, des lanternes. Et regardez là-haut, apprenti. Donc j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, je peux pas. Parce que voilà, il faut que j'attende la nuit prochaine. Enfin, le lendemain, hein, il faut qu'il y ait une nuit qui passe, une journée qui passe, pour que je lui rachète des lanternes demain. En plus de ça, on augmente d'expérience. Vous voyez, j'étais au niveau 31, au niveau 30, maintenant je suis au niveau 31. Donc quand on fait du commerce avec les villageois, on augmente d'expérience. Et c'est beaucoup plus rapide qu'à la pêche ou aller tuer des ennemis. Hein, voilà. Si vous voulez de l'expérience, faites du commerce avec vos villageois. Voilà. Donc là, d'apprenti, il va passer en compagnon normalement. Voilà. T'es où? Ah, il s'est couché. Il fait nuit. Voilà, il a des petites bulles roses, ça y est. Il a monté d'autres compétences. Je te réveille, parce qu'on peut le réveiller. Hein. On le réveille, on fait un petit clic. Voilà. Donc là, maintenant, il est compagnon. C'est un compagnon. Donc, il me propose... Oh, bah ça, c'est pas mal. Il m'achète mes poches d'encre. Je ne savais pas quoi en faire. Les poches d'encre, c'est ce qu'on a avec les sortes de pieuvres, voilà, dehors. Donc, c'est, voilà, ça, c'est pas mal. Donc, si vous avez des poches d'encre, vous ne savez pas quoi en faire... Eh ben, vous pouvez lui vendre, il va vous en acheter 4, il va vous donner une émeraude. Et il me propose un autre livre, Protection contre le feu. Donc ça, c'est pas mal non plus. Etc, etc, etc. Donc après compagnon, vous avez expert, et après expert, vous avez maître. Voilà. Donc il nous propose entre 9 et 10 choses à chaque fois. Et là, j'ai un bibliothécaire, je l'ai fait passer en expert, j'ai pas de maître encore. Donc, il peut nous acheter, nous vendre des boussoles. Il peut nous acheter les livres plumes. Il nous propose aussi d'acheter des verres, etc. Enfin, pas mal de choses. C'est assez intéressant. Le bibliothécaire, vous pouvez en avoir plusieurs. Sur une autre partie, j'en ai une dizaine. Dizaine de bibliothécaires. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour commercer. Hein. Voilà. Donc, etc. Là, je l'ai passé en compagnon. Et une fois que vous avez commercé une fois avec lui, hein, vous ne pourrez plus le mettre au chômage. Il restera tout le temps avec ce métier-là. Hein. Que ce soit bibliothécaire, maçon, pêcheur, etc. Une fois que vous avez commercé une fois avec lui, vous ne pouvez pas lui changer de métier. D'accord ? Là, je peux détruire son pupitre. Je vais le faire devant vous. Hein, y a pas de souci. Allez, hop. Je lui enlève son pupitre. Voilà. Regardez, il est toujours bibliothécaire. Je le réveille. Non, il ne veut pas.
Non, j'ai déjà réveillé une fois. Non, il veut pas, là, tiens. Ce lit est occupé. Ouais, je vois que... Je vais balancer un œuf dans la chaudron, non, non. Hop là, pardon, excuse-moi. Ouais, je vais en... Oh, oui, oui, là, il est pas content. Ah, ouais, ouais, il aime pas les œufs. Hein. Je vais balancer un œuf. J'ai mis un coup. Ouais, j'ai mis un coup d'œuf. Non, excuse-moi, excuse-moi. Voilà, voilà, voilà. Non, mais ça, c'est normal. Hein. Voilà. Ok, donc il reste bibliothécaire. Attends, il va se calmer, ouais. Voilà. Voilà. Hop, il est un petit peu sous le choc. Là, j'ai réveillé un petit peu brutalement. Hein. Bon, c'est pas à faire. Hein. Voilà. Donc là, il a plus son pupitre. Je lui ai enlevé, mais il est toujours bibliothécaire. On va attendre qu'il se calme, non, peut-être. Bon, attendez, je vais dormir. Voilà, je prends ton lit, excuse-moi. Voilà. Il va se calmer quand même, non? Hop. Voilà, ça y est. Normalement, il est calme, là. Non, t'es pas encore calme. Bon, je lui remets son pupitre. Regarde, machin. Ça y est, t'es bon? Tu vas te calmer, non? Il est affolé, le pauvre. Hein. Bon, allez, je le laisse partir. Va, allez, va, va, va jouer. Allez, casse-toi. Va jouer aux billes. Ok? Voilà. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai enlevé son pupitre. Il est toujours bibliothécaire. C'est toi, non? Est-ce que c'est lui? Ouais, c'est lui. C'est le compagnon. Hein, voilà. Là, il est plus calme. Voilà. Ça y est? Tu m'en veux plus? Voilà. Bon, évitez de lui donner des coups d'œuf dans la chaudron. Ok, donc merci de m'avoir suivi, hein. C'était donc le tuto sur le bibliothécaire. Bon, si j'ai oublié des choses, mettez-les dans le commentaire, il peut faire ci, il peut faire ça, t'as oublié de dire ça, non, essayez de ne pas dire ça, hein. Dites plutôt, voilà, il peut faire ci, il peut faire ça, il peut, voilà, hein. Vous pouvez me compléter, il n'y a pas de problème, hein. Mais me dites pas, t'as oublié deux, parce que, hein, tout le monde oublie, hein, des choses. Ok, allez, ciao, ciao, bye bye pour un prochain tuto. Bye bye.